Et alors, moi, c'est Peña. Et puis, moi, je viens de Tahiti. Je suis originaire de Tahiti. Je viens de Papeete, du quartier de Mamo. Et j'ai grandi et j'ai vécu dans le même quartier que Patou. Enfin, moi, depuis tout petit, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours beaucoup dessiné. À l'école, j'avais que des cahiers de dessin, quoi. J'ai intégré le monde du tatou par le biais de Patou. J'ai commencé là-bas, j'ai intégré le salon et par la suite, pour pouvoir me perfectionner dans les dessins, Patou m'a poussé à intégrer le centre des métiers d'art, hein, où je suis resté 2 ans. Je suis sorti diplômé et c'est vraiment à partir de ce moment où j'ai fait que ça, tatouer, hein, à fond, quoi, hein. Et moi, ça dépend vraiment des projets, hein. Concernant le style, moi j'aime bien tout ce qui est black patoutiki, comme il y a des moments où il y a des projets en polynésien moderne avec une touche polynésienne avec des ombrages par-dessus. Si ça dépend du projet, celui qui m'attire le plus, quand c'est celui-là où je me lance, quand. Mais sinon, ben, j'ai commencé par le black patoutiki, hein. Ça j'adore. J'adore ça, quoi. Et moi, personnellement, hein, c'est plus le étou, hein, en lien avec les divinités, hein, les ancêtres protecteurs. Hein. Parce que pour moi, les ancêtres, c'est aussi puissant dans le sens où ils ont eu cette transmission-là, hein, au fil des générations. Hein, et ça perdure aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous, on est comme des porteurs de patrimoine. Hein. Et c'est à nous aussi appris à transmettre tout ça, hein, aux générations futures. Hein. Si vous avez apprécié ma présentation, venez me rencontrer au salon Tatou by Patou, à Rouen.